Là, par contre, là, je suis choc. Regardez, c'est qui? Qu'est-ce que je fais là? Je suis sur la télé. Monsieur, je suis choquée. Pourquoi elle pleure, celui-là? Oh là là. On voit ma grosse tête en gros plan. C'est moi, celui-là, regardez. Oh là là, je suis choquée. Donc moi aussi, je n'en ai rien à foutre. J'ai rien à foutre, voilà. J'ai crié. Esteban Taylor, il était surpris hier en train d'effectuer un bottle flip et un dab avec préméditation. Il a déjà connu les services de police chez nous pour mannequin challenge hors des règles, il y a 2 mois. Ah, ça va. Et toi, c'est mannequin challenge. C'est un psychopathe. En 2 heures de carrière, j'ai jamais vu ça. Prêt, Johnson? Prêt, Bernard. C'est quoi ça? Ouais, Jason m'a piqué le mien à la Gay Pride, du coup je me retrouve dans le fait. Je suis pas ça. Laisse-moi faire. Il est là. Police! Putain, on l'a. Lâche ça, Taylor. Pas de geste, Bruce. Ça, c'est lui, le mien. Tu es Bernard. Bouge pas, toi! Bouge pas, je te dis! C'est un état d'arrestation, Taylor. Tout ce que vous disiez sera retenu ou contre à vous sur votre insigne. On embarque. Alors, un carton à livrer, le portail est fermé. Allez hop. Oups. Merde. C'est faire bonjour, Pascal Durand. Votre nom, Boulard, B comme Babtou. Vous pouvez pas recevoir d'appel. Ben, je cherche une solution et je vous rappelle. Non, surtout pas. C comme chien, vous entendez? Comme cocu, culbute, couille. C'est normal qu'on reçoive pas d'appel? Ben oui, c'est normal, ils n'ont pas de réseau. Ah putain, je suis con. Tais-moi bien, monsieur. Faut éteindre, rallumer. Éteindre, rallumer. Il faut que ça s'allume en bleu. Non, je peux pas vous aider là. Ben, je suis occupé, je suis au téléphone. Ça capte pas, vous éteignez, vous rallumez. Vous éteignez, vous rallumez. Sinon, vous me rappelez, monsieur. Ben, vous me rappelez 15e fois, monsieur. Vous payez pas, c'est service client. Le téléphone marche pas? Vous avez essayé de le faire courir? Excellent, une pointe d'humour ne fait jamais de mal. Vous avez essayé de l'éteindre et de le rallumer? Bernard, tu peux me ramener, s'il te plaît, un Orangina? Non, je parle pas à vous, monsieur. Putain, le bouton mute, il fonctionne pas. D'accord, vous dites que votre téléphone ne sonne pas. Vous avez regardé s'il était pas en silencieux? Mais non, je vous prends pas pour un con. Vous avez regardé s'il était allumé? Il me casse les couilles, fils de pute. Ah, vous avez entendu? Non, c'est pas le bouton mute, c'était pour vous, monsieur. Ben oui, vous m'avez rendu fou 17 fois que vous m'appelez. Ça marche pas, ça marche pas. Changez d'opérateur, je m'en bats les couilles. Allez-y chez Free. Free, vous avez tout compris. Le problème, c'est pas la fibre optique. On passe pas chez vous. Faut déménager, madame. Vous habitez dans le Poitou-Charentes, ça capte pas. Il faut aller dans une grande ville. Lyon, Marseille, Paris. Faut déménager, madame. Sinon, vous aurez jamais la 4G. Vous pouvez pas résider comme ça, monsieur. Écoutez, si vous restez, on fait une réduction de 15€ par mois sur votre forfait. Vous avez accès gratuitement à tous nos services web. On vous offre une cafetière Nespresso. Il y a Céline, notre stagiaire, qui passera vous voir personnellement pour vous faire un massage buccal. Vous payez trop cher? Attendez, je regarde votre forfait. Ben, c'est normal, madame. Vous faites beaucoup d'heures forfait. C'est normal que vous payiez ce prix-là. Quoi? Vous avez appel illimité? Faut bien qu'on fasse du chiffre, madame. Faut bien qu'on crée des manigances pour vous, Ken. Vous voulez quand même résilier? Très bien, donc il faut faire un courrier commandé avec accusé de réception, me joindre votre carte d'identité, certificat de domicile, vos 12 derniers bulletins de salaire, et vous avez qu'à attendre préavis. Les frais de résiliation sont de 12 000 euros. Faut ouvrir la petite fenêtre. Pas la fenêtre de chez vous, madame, je vous entends. De l'ordinateur. Vous avez quel âge, madame? 104 ans? Faut laisser tomber l'internet. Toujours pas. Il est où mon jean? C'est pas moi ça. Je suis même pas là. Tu fais quoi toi? Je suis en train de chercher mon jean. Tu vois pas, je suis en train de dormir là. Bah qui t'empêche de dormir? Dors. Attends, mais toi tu dérailles toi. Je suis en train de chercher mon jean partout, je suis sûr que c'est toi. Qu'est-ce que je vais faire avec tes vieux jeans sautés là? Qu'est-ce que tu parles avec tes vieux jeans CIA là? T'as dit quoi toi? Tu mets un jean Levi's, ça y est, tu te sens plus? Sérieux, t'as mis un jean Levi's, tu te sens plus? Et arrête de m'imiter là, sors de ma chambre là. Je sors pas d'ici sans mon jean. Et moi je te dis, tu vas sortir d'ici. Et moi je sors pas d'ici, qu'est-ce qu'il y a? Qui c'est qui fait le bruit là?
Mon frère, je suis très heureux de t'accueillir dans ma chambre. Si tu es à la recherche de jeans, bah écoute, serre-toi. Bah écoute, mon frère, merci pour l'accueil. J'ai trouvé ce jean, je suis très heureux. Je retourne dans ma chambre. Voilà, bon, ok. Bye bye. Wow. Ça va, gros? Pourquoi tu me tagues? Jamais sans mon pote. Oh, c'est où ça? C'est quand? Putain, donc quoi, c'est gros? C'est pas mieux que le bac, ça? Oh, attends, faut que je trouve une excuse pour ma meuf. Sachant que tous les deux on aurait ça, on appelle Cédric. Oh, vas-y, tague-le. J'ai encore merdé. Je me suis trompé entre Cédric et Céline. T'as tagué ma meuf, bravo. Attends. Quoi? On peut lui faire croire que tout ça c'était pour vous deux, que c'était un voyage en amoureux? Bien sûr, avec les soirées twerky maxibou, les culs à volonté, bonjour l'amour, hein. J'avoue que ça ressemble pas à une formule de chez French. Pas trop. Putain, je vais tellement manger des bricots que je vais en pisser du smoothie. Écoute, j'aurais bien aimé te suivre dans la récolte, mais... Attends, je vais tenter un truc. Oui, chérie, comment... Avant, pourquoi je me retrouve taguée sur un week-end en Croatie avec ton pote? C'est parce que il comptait nous offrir le voyage. Avec lui, une chambre pour trois? Il y a trois, bah pourquoi il y a trois lits? Pourquoi il y a trois lits? C'était toi, Cédric? Alors non, bien. Ah, non, c'était pour ton chat, Kikix. C'est ça, c'était pour Kiki, hein. Voilà. Il vient pas avec nous. Du coup, il y a un troisième lit, du coup. Mais niveau du programme, moi ça me convient pas trop parce que la soirée Twerky Maxi Bull. Maxi Bull, bah oui, ça, je sais pas ce que ça fait dans l'annonce, ça, non. Du coup. Le Maxi Bull, c'est des glaces, c'est de la glace. Partir tous les deux, on va se retrouver et après on fera le bébé. Hein? Ouais. Que oui. Les jumeaux, même, parce que si c'est dans la famille. J'ai acheté des capotes. Des quoi? Non, on va faire des bébés. Oh, mariage bébé en Croatie? Bah voilà. Bah félicitations. Je t'adore, Yas. Merci, Yas. Hey, les gars, avec les morceaux qu'il y a, on n'a pas besoin d'aller aux putes. Oh, merde. Pareil, hein, les putes, c'était pour vous deux. Ah non. Moi, je... On va bien. En fait, normalement, je devais taguer Cédric et je devais taguer Céline. De là est partie une histoire quand même invraisemblable. Excusez-moi, je voulais parler d'un sujet. Les filles qui font pas leur âge, s'il vous plaît, arrêtez. Essayez de rentrer dans les codes, c'est-à-dire que si t'as 14 ans, fais 14 ans, s'il te plaît. Arrête de faire 20 ans ou plus. Parce que nous, on se trompe, et en France, il y a des lois. On peut pas faire ce qu'on veut. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. En plus, vous mentez, on vous demande votre âge, vous dites que vous avez 25 ans. Et nous, on vous croit, après, vous portez plainte. En prison, il y a plus de place. Donc, arrêtez de mentir, s'il vous plaît. Maintenant, je te demande la pièce d'identité, je me prends plus la tête. On peut pas vivre comme ça. Au kilo, rien du tout, Zabi. Arrêtez, s'il vous plaît, faites votre âge. Et ça fait combien de temps qu'il est là? Je dirais 3 semaines et 2 mois. Il est resté bloqué. Plus aucune émotion. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas sûr, mais... Ça fait du bien, maman. Vous, les gars, vous nous comprenez tellement. Il s'est fait gaisonner. Faut absolument qu'on la retrouve. Je suis d'accord. Avant qu'elle ne fasse d'autres victimes. Mais tu fumes pas, Smith. Ah oui, c'est vrai.
Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez tous la santé. Sauf les gens qui sont encore sur Facebook, vous mourrez de loin. Bref, c'est pas ça le sujet. Les gens qui veulent trop savoir la vie des autres gens, ça me zèrve de ouf. Vous êtes même pas psy, même pas des cousins éloignés, vous voulez trop savoir la vie des gens. En mode, t'es là, t'es plus avec ta meuf, tu snaps avec une autre meuf, y'a quelqu'un qui va dire, ah mais t'es pas censé être en couple, mais toi t'es pas censé être mon journal intime. Je m'exprime comme je veux si j'ai pas envie de te. Vous êtes bizarre, voilà, vous êtes des vitres, vous m'incurez à cibler. C'est un mot que j'ai inventé pour vous, vous me cassez les couilles, c'est incroyable. Si j'ai pas besoin de vous mettre des statuts comme sur Facebook en 2002, célibataire, j'écoute plus James, j'ai. I'm doing it really, 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 though. Big dreams, I want big, though. Club.